Bonjour, mes chers amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. J'apprécie vraiment votre fidélité. Vous n'hésitez pas, j'adore vos likes, vos commentaires. Eh bien, aujourd'hui, on va voir un thème. Vous serez surprise de votre futur. Eh bien, peut-être quelque chose va se passer que vous n'attendez pas. Et on va voir maintenant tous les détails. Eh bien, pensez à votre vie, posez vos questions. Peut-être, on va voir les réponses maintenant. Eh bien, je vais regardez pour vous trois guidances. On va compléter avec les cartes tarot. Eh bien, vous serez surprise de votre futur. Je commence. La première guidance, qu'est-ce que nous devons savoir? Eh bien, vous savez, très intéressant parce que ici, je vois que vous allez avoir une vie sociale qui se développe, quand vous pouvez avoir beaucoup de rencontres, peut-être des événements, des fêtes. Donc, vous pouvez avoir des invitations également pour un petit peu des événements assez intéressants. Donc, quand vous pouvez vous retrouver donc dans un endroit qui est très joli, ça peut être un parc, ça peut être un musée, ça peut être, vous savez, d'autres endroits qui vous plaisent énormément. Quand vous pouvez apprécier cela. Donc voilà, et je vois que vous pouvez faire une rencontre. Vous savez, pour le moment, je vois que ça peut être comme un ami ou en tout cas quelqu'un à qui vous pouvez faire parfaitement confiance. Vous pouvez avoir des mêmes intérêts, loisirs en commun. C'est pour ça, peut-être, ça peut vous donner cette rencontre, peut-être votre intérêt en commun que vous avez. Si par exemple, vous avez un événement par rapport à votre passion, donc c'est tout à fait possible. Donc, je vois quand même que, donc, vous pouvez rencontrer cet homme pendant une fête et cette nouvelle relation commence tout de suite. Vous savez, je vois peut-être également que dans votre vie, vous pouvez avoir beaucoup de nouveautés. Donc, soit peut-être toujours cette fête à laquelle vous allez participer qui va vous donner beaucoup de communication avec les gens intéressants, ça va vous ouvrir des perspectives de ce ressort. Vous savez, ça peut indiquer pour certaines personnes que votre enfant va vous donner beaucoup de sentiments positifs, des émotions, peut-être. Il y aura une fête que vous allez organiser par rapport à votre enfance, tout à fait possible. Bon, on va voir les détails. Qu'est-ce que nous devons savoir pour vous par rapport à déjà cet événement, cette surprise dans votre vie? Ça peut se passer très rapidement. Par exemple, que vous allez recevoir cette invitation, donc c'est possible. Vous savez, je vois également que peut-être il y aura beaucoup d'organisations, c'est possible. Il y a quelque chose qui vous préoccupe en ce moment. Peut-être vous avez un petit peu des angoisses, des inquiétudes dans votre vie, mais je vois quand même que la vie va vous guider. Une très belle carte d'un petit peu de guidance angélique, peut-être même cet événement ou cette nouvelle rencontre que vous avez, la vie vous donne cela pour que votre vie difficile se change. Et une très belle carte, vous savez, la carte du magicien, ça montre que vous devez avoir confiance en vous, que vous pouvez vous-même changer votre vie. Vous avez cette possibilité de transformer votre vie, réaliser vos plans et des projets. Donc, c'est vraiment quelqu'un, quand vous pouvez avoir dans votre caractère tout, absolument, déjà des idées géniales, les plans que vous souhaitez réaliser, vous pouvez être quelqu'un intéressant, vous pouvez avoir un petit peu votre personnalité que d'autres n'ont pas, c'est possible, mais en tout cas, vous devez croire en vous que vous pouvez changer votre vie et vraiment retrouver le bonheur total et profiter de la vie complètement. Vous savez, ici un indice par rapport à un homme qui peut apparaître dans votre vie, justement, c'est quelqu'un qui peut vous donner la confiance totale. Ça peut être par exemple au début comme un ami, mais par la suite, ça peut se transformer en une relation amoureuse et quelque chose de plus stable que par exemple la création de la famille. Vous savez, je dois vous dire qu'au même temps, je vois quelqu'un qui est assez puissant, fort, et peut-être même il peut avoir un poste avec de grandes responsabilités, quand il peut se montrer dans son travail autoritaire, il peut avoir vraiment ce pouvoir, donc dans son métier, eh bien, il peut avoir également son entreprise à lui. Et qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et vous savez, je vois qu'en ce moment, vous pouvez être un petit peu seul. Peut-être certaines personnes pouvez avoir même un petit peu des problèmes financiers, mais cet homme, il arrive pour vous sortir de cette situation de dépendance, cette situation difficile. Ça sera quelqu'un généreux au même temps, et toujours cette carte de confiance, quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. Et j'ai une très belle
nouvelle carte de perspective. C'est un petit peu comme la vie qui vous donne cette chance de faire cette rencontre. Je pense qu'avec cela, vous allez avoir comme un nouveau départ qui va vous donner la réussite totale, le succès dans la vie par la suite. Par exemple, si vous avez des problèmes financiers, vous pouvez avoir tout à fait une situation qui s'améliore quand les finances vont arriver. Soit, par exemple, donc cet homme, il peut vous aider financièrement, ou par exemple, si vous créez la relation ensemble, je pense qu'il peut vous donner la prospérité que vous avez besoin, cette vie stable et confortable. Ou vous savez, pour certaines personnes, ça peut indiquer également que vous pouvez rencontrer cet homme qui est autoritaire, il peut, par exemple, être votre chef ou devenir par la suite votre chef. Et comme ça, vous allez avoir ces opportunités et perspectives dans le travail, c'est tout à fait possible, qui vont vous apporter une très bonne situation financière. Donc voilà, mais surtout, faites attention aux nouvelles rencontres que vous faites et surtout, si vraiment vous êtes invité à participer à un événement, donc n'hésitez pas, ça va vous ouvrir des perspectives incroyables. Et je regardais, donc là, ici, j'ai une carte qui peut me montrer, pour certaines personnes, la création de la famille, toujours, ça m'indique qu'avec cet homme, vous pouvez avoir la confiance totale, quand il peut vous apporter une très bonne base financière. Vraiment, cette carte, c'est le chiffre 10, c'est le maximum qu'il peut avoir. C'est-à-dire que c'est le résultat quand il s'est déjà réalisé dans la carrière. Donc, quand vous pouvez vraiment créer la famille pour des années, donc cette relation, elle va durer. Ou si on regarde votre vie professionnelle, aussi la carte de très beaux résultats, quand vous pouvez avoir une très bonne évolution. Et vous savez, par exemple, ici, nous avons vu au début que vous pouvez avoir comme une certaine dépendance, les situations difficiles, quand vous ressentez cela comme un poids. Et de cette situation, tout simplement que vous faites une rencontre, ça sera comme une surprise pour vous, quelque chose que vous n'attendez pas. Tout de suite, la vie vous donne des perspectives et je pense que dans quelques temps, vous pouvez avoir un très bon niveau, donc une évolution dans votre carrière et avec vraiment la réussite, le succès et surtout une très bonne base financière. J'ai envie de prendre une carte de conseil pour vous, comment vous devez vous comporter. Vous savez, n'hésitez pas, donc si vous devez laisser quelque chose dans le passé, donc n'hésitez pas éventuellement de s'en débarrasser, quelque chose que vous n'avez plus besoin. Et je pense que c'est aussi la carte qui montre une surprise, quelque chose qui va se passer que vous n'avez pas planifié. Ça peut être pour vous comme un bouleversement, c'est possible. Et qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? La carte de conseil, justement, j'ai un indice ici. Et si on regarde cet homme, c'est quelqu'un solitaire qui attend de créer la famille, trouver une femme un petit peu exceptionnelle. Il a déjà son expérience, elle sait qu'est-ce qu'il souhaite. Et pour vous, comme la carte de conseil, vous devez un petit peu analyser votre vie, votre situation. Vous devez faire attention à tous les détails. Et cette carte, ça montre, soyez attentif aux perspectives que la vie vous donne, un petit peu à la guidance de la vie, aux rencontres que vous faites, les invitations. Et vraiment, quand très rapidement, je pense que ça sera une surprise pour vous, que votre situation peut changer. Soyez tout simplement attentif et utilisez un petit peu votre expérience également, votre sagesse. Quand vraiment vous analysez votre vie, vous comprenez quel changement vous avez besoin, quelle perspective s'ouvre à vous. Il faut absolument saisir cela. Eh bien, on va voir la suite. Donc, la deuxième guidance, les surprises qui vous attendent. Donc, qu'est-ce que nous devons savoir? Eh bien, magnifique, regardez vraiment cette guidance. Je vois qu'un événement bouleversant peut se passer dans votre vie, comme c'est comme le destin qui se joue pour vous. Mais, quand on regarde cette carte, la bague, ça montre quand même que vous pouvez avoir la demande d'un mariage, la déclaration d'amour, bien sûr, quand vous pouvez faire une union. Je pense qu'ici, on voit plutôt la vie amoureuse et ça va vous amener vers le soleil. Vous savez, c'est les meilleurs cartes dans le tarot qui montrent vraiment l'amour très profond, c'est le bonheur total. C'est vraiment des bonnes émotions que vous avez dans la vie. Et je pense que c'est vraiment une union qui va vous apporter cela. Je pense que vous devez accepter et cela va changer votre vie, mais complètement, parce qu'ici, c'est la carte de destin, quand vraiment, c'est un petit peu, quand vous pouvez avoir une certaine révélation de votre vie, vous allez voir d'une autre façon votre futur, c'est vraiment votre destin qui se joue. Donc, cette surprise qui vous attend, on va voir les détails, qu'est-ce que nous devons savoir par rapport à votre futur, par rapport à cet événement. Je vois qu'en ce moment, vous ne le voyez pas.
que cela peut se passer. Justement, on va les surprises, quelque chose que vous n'avez pas planifié. Vous pouvez être un petit peu en attente que votre vie change. Et vous savez, j'ai toujours cette carte, le magicien. Ça me montre que vous devez croire en vous, à votre futur. Et c'est la carte qui montre que les pensées se matérialisent. Peut-être même, vous devez un petit peu rêver par rapport à votre futur, penser comment votre vie peut changer si vous faites cette rencontre. Ou par exemple, dans votre vie amoureuse, en ce moment, vous pouvez rêver par rapport à votre futur, comment vous voyez votre futur ensemble avec votre compagnon en campagne. Et regardez, j'ai une très belle carte, mais madame, vous devez être actif, motivé. Vous devez peut-être prendre l'initiative dans votre relation. Je vois ici cette femme également passionnée, quand vraiment, vous pouvez apporter des sensations donc à votre compagnon. Et vraiment, quand vous n'avez pas peur de changer votre vie, quand vous prenez vraiment le risque, et vous êtes leader dans cette relation, dans votre vie en général. Donc voilà, eh bien, vous devez croire en vous. Et tout est possible, vous-même, vous pouvez changer votre vie. Et j'ai une très belle carte de tradition, mais ça me confirme. Donc un engagement, c'est tout à fait possible pour vous. Et c'est toujours la carte un petit peu de destin. C'est comme la vie que vous donne cet homme, peut-être même cette femme. Donc on voit cette énergie ici. C'est un petit peu comme bénédiction de la vie pour vous, pour cette relation, pour que ça évolue, que vous avez la création de la famille. Et c'est aussi un petit peu la carte de protection. Protection, je dois vous dire, eh bien, qu'est-ce qu'on devons savoir d'autre pour vous? Vous savez, je vois également cette carte qui me montre une certaine harmonie donc, que vous avez en ce moment, ou peut-être tout simplement, ça me montre que vous êtes en attente d'avoir cette rencontre, que vous avez cet engagement, parce qu'en ce moment, vous pouvez avoir votre vie monotone, qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, c'est possible, mais vous rêvez beaucoup, je dois vous dire, il y a plein de choses que vous souhaitez réaliser par rapport à votre vie, peut-être vous voulez avoir des changements, vous rêvez donc de créer la famille, donc c'est aussi un petit peu la carte des émotions, des sentiments, mais vous vraiment vous avez plein de rêves, mais je vois que la vie va vous donner cette possibilité de réaliser ce que vous souhaitez. La roue de la fortune, ça montre toujours ces surprises que vous pouvez avoir, quelque chose que vous n'attendez pas, et bien ça sera pour vous comme un bouleversement, mais je pense que si on voit que côté positif, parce que je vois quand même que vous pouvez faire cette union, eh bien, mais profitez cette chance aussi, parce que quand nous avons vu au début cette carte, un petit peu quand vous êtes en attente, c'est un petit peu la carte d'apathie, vous pouvez avoir des belles choses autour de vous, mais vous ne les voyez pas, et peut-être même cette rencontre, donc cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer et avec qui vous allez créer cette union, il va venir d'où vous n'attendez pas, ou ce sera peut-être une personne différente par rapport à d'autres hommes ou femmes que vous avez l'habitude de rencontrer, donc et ça sera toujours comme une surprise pour vous. Comment va ce thème? Et regardez, je vois quand même que dans la vie de madame, il y a cet homme romantique qui arrive, il peut vous apporter de l'amour. Je pense qu'avec lui, vous allez rêver les deux parce que lui, il vit avec des émotions, des rêves, de l'amour pour lui, c'est primordial. Et je pense qu'il peut vous apporter l'amour mutuel. Donc, ça sera quelqu'un romantique, peut-être un petit peu doux, il peut être un petit peu sensible également. Donc voilà, et bien, mais vous, je pense que vous allez lui apporter la passion, donc ses qualités de leader, les sensations, donc voilà, et bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Vous savez, je dois vous dire que ça peut se passer très rapidement, cette rencontre, et peut-être même cet homme, il va griller des étapes, tellement pour lui, ça sera évident comment elle va votre futur. Attention, mesdames, j'ai ici la carte de grossesse, et bien, mais toujours un indice que vous ne voyez pas votre futur, peut-être même vous ne me croyez pas que c'est possible, et vous pouvez même avoir un petit peu des inquiétudes par rapport à votre futur. Et qu'est-ce que nous devons savoir? Qu'est-ce qui vous attend? Vous savez, je dois vous dire qu'après une longue attente, peut-être certaines personnes, vous pouvez avoir comme un an ou même plus que vous attendez faire cette rencontre, que votre vie change. Vous ne devez pas abandonner, je dois vous dire. Vous devez suivre vos envies, désirs. Et regardez, je vois quand même cette belle carte, la carte des amoureux. C'est toujours, ça me montre que vous pouvez faire cette rencontre et pas tout simplement. Donc, l'amour arrive dans votre vie, ça déborde, c'est l'amour mutuel, c'est la relation qui est créée sur des sentiments profonds, et même vous pouvez faire cette union, mais ça ne m'étonne pas, parce que regardez les cartes que nous avons vues au début, c'est ce qui vous attend. Le destin se joue pour vous prochainement, vous pouvez avoir cette union, donc la déclaration d'amour, demande d'un mariage, nous avons vu cela, et bien, et c'est cet homme qui peut vous apporter cela.
Donc voilà, et vous savez, vous ne devez pas perdre l'espoir parce que je vois quand même après une longue attente, vous pouvez quand même donc faire cette union. Pendant ce moment, quand il n'y a pas grand-chose qui se passe dans votre vie, vous pouvez éventuellement faire vos conclusions, analyser votre vie, profiter de la vie également, un petit peu développer vos intérêts, soyez actifs pour que votre vie bouge. Et je pense qu'avec cette bonne énergie, donc vous allez faire cette rencontre. Eh bien, je vais voir pour vous la carte de conseil. Eh bien, transformez votre vie tout simplement. Vous savez, tout ce que vous n'avez plus besoin, quelque chose qui vous pèse, la routine, peut-être cette attente, laissez cela derrière vous. Vous devez transformer votre vie, peut-être changer quelque chose, soyez plus actif, pensez à votre futur, réalisez vos plans, projets. Et je pense que c'est la carte qui montre également qu'avec l'arrivée de ce tome, mais votre vie se transforme complètement, mais vers la meilleure vie. C'est-à-dire que peut-être votre vie de célibataire, ça reste donc dans le passé. Et quand vous pouvez avoir vraiment cette union, donc il y aura beaucoup de nouveautés qui vont vous apporter des bonnes choses. Mais c'est la chance que la vie vous donne, et il faut absolument profiter de cela. Et ça sera une surprise pour vous. Eh bien, on va voir la suite. Donc, troisième guidance. Donc, vous serez surprise de votre futur. Qu'est-ce que nous devons savoir ici? Eh bien, très intéressant parce que, regardez, mesdames, je vois toujours cet homme romantique qui arrive dans votre vie. Toujours un indice sur la vie amoureuse qui se développe. Donc, vous pouvez avoir des rendez-vous amoureux. Donc, ici, je ne vois pas vraiment l'engagement. Donc, je vois que ça sera très agréable pour vous quand il y aura des romantismes. Donc, des rendez-vous amoureux, les sentiments se développent. Vous pouvez avoir donc un cadeau, justement une surprise de la part d'un homme. Vous pouvez le connaître déjà, c'est possible. Et vous savez, cette carte, ça montre un petit peu. Je pense qu'ici, c'est plutôt dans le sens positif que peut-être avec l'arrivée de cet homme, et quand lui, il va vous faire une surprise, il peut vous faire justement un cadeau. Je pense que pour vous, ça sera comme une évidence. Comment voyez votre futur? Vous savez, ça sera peut-être pour vous comme une culmination. Donc, mais qu'est-ce que c'est cette surprise? On va voir cela maintenant. Mais en tout cas, je vois quand même que votre vie amoureuse, il se développe prochainement. Eh bien, on va voir les détails. Vous savez, je vois que, mesdames, vous allez vraiment montrer vos envies et désirs. Pour vous, ça sera très important de montrer qu'est-ce que vous souhaitez. Eh bien, vous savez, j'ai un indice ici que peut-être dans le passé, vous avez eu quelqu'un qui n'était pas honnête avec vous. Donc, je vois ici cette carte qui peut me montrer la relation du passé. Vous savez, un homme qui pouvait être un petit peu sec, qu'il ne montrait pas ses sentiments, donc il pouvait faire comme sa stratégie, peut-être pour vous séduire, et il n'était pas honnête avec vous. Peut-être il y a eu des choses qu'il cachait, c'est possible. Mais vous savez, je dois vous dire que vous pouvez avoir des bonnes surprises dans le futur. Eh bien, attendez, je regarde quelques cartes, qu'est-ce que nous devons savoir pour vous? Vous savez, après une longue attente, peut-être déjà certaines personnes vous pouvez avoir un an qui passait au même plus après cette relation, c'est possible. Je vois que vous allez avoir de très bons changements. Vous pouvez en ce moment être comme un petit peu renfermé. Donc, quand peut-être cette relation elle vous a bloqué un petit peu, c'est possible. Eh bien, comment ça se termine? Vous savez, cet homme qui arrive, cet homme romantique, il sera très généreux avec vous, mais ça ne m'étonne pas parce que nous avons vu ici cette carte qui me montre le cadeau qu'il peut vous faire. Vous savez, il sera très généreux avec vous, il va passer le temps avec vous, et je pense que il va vous sortir de cette situation de blocage, quand vraiment vous ne voyez pas votre futur, eh bien, il va vous apporter des sentiments en plus. Vous savez, je dois vous dire, je vois ici la carte de justice, et ça me montre qu'un petit peu, la vie, l'univers va rendre sa justice. Et je pense que pour vous, il y a cet homme romantique qui arrive, qui va vous apporter des sentiments, donc des émotions positives. Et je vois également cette carte de mariage, ce qui vous attend dans le futur. Donc les cartes me montrent cela. Vous savez, peut-être dans le futur proche, vous allez tout simplement avoir soit cette rencontre, soit votre relation petit à petit, il évolue. Vous pouvez avoir des surprises. Donc justement, peut-être vous allez faire votre connaissance. Mais déjà, les cartes me montrent cela, ce qui vous attend dans le futur.
la relation officielle. Donc voilà, eh bien j'ai envie de vous poser quelques questions encore supplémentaires pour vous. Qu'est-ce que nous devons savoir? Eh bien, cette nouvelle homme, il vous apporte vraiment une nouvelle relation. L'amour, des sentiments, ça sera tellement important pour vous, ça sera tellement grandiose, ça sera impossible de les cacher. C'est la carte qui montre la déclaration d'amour, demande d'un mariage, c'est tout à fait possible. Donc, ce qui vous attend avec cet homme dans le futur, eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir? Vous savez, par rapport à cette relation du passé, vous allez vous sentir donc une femme mais supérieure, comme une femme gagnante. J'ai ici un petit peu la carte qui montre votre énergie. Déjà, je dois vous dire qu'avec cette nouvelle homme qui arrive, vous allez voir d'une autre façon votre personnalité. Quand il y a l'amour qui arrive, vous serez en même temps féminine, sensuelle. Donc, c'est un petit peu la carte de la passion. Donc, vous allez vous sentir de cette façon et vous allez surpasser donc cette situation de crise par rapport à cet homme et la relation du passé. Je dois vous dire. Et vous savez, je pense que pour lui, ça sera un petit peu le choc que vous allez vous marier avec cette nouvelle homme parce que je vois ici l'énergie de quelqu'un qui va devenir votre mari prochainement. En plus, je dois vous dire que cet homme, il peut vous apporter le confort, la stabilité parce qu'ici, on le voit, donc sur la carte, il est assis sur de l'argent. C'est-à-dire que peut-être au même temps, c'est quelqu'un qui s'est réalisé déjà, donc il peut avoir une très bonne base financière. Et vous savez, c'est quelqu'un qui va apprécier votre personnalité, la confiance qui sera créée entre vous. Et c'est pour ça qu'on voit cette carte de générosité. Donc préparez-vous, vous serez une femme gâtée, je dois vous dire. Donc voilà, et bien. Vous pouvez avoir la naissance d'un enfant également. Et qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Eh bien, un peu de jalousie. Mais comment c'est possible autrement? Mais cette carte, ça montre également que vous serez attachés l'un à l'autre tellement. Ça sera tellement important pour vous, cette relation, que vraiment, je pense que la création de la famille dans le futur, c'est tout à fait possible. La relation officielle, nous avons vu les cartes qui nous montrent cela. Donc voilà, eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et vous réalisez votre rêve, la carte magnifique, faites un vœu, c'est la carte l'étoile, donc très forte guidance pour vous, et bien pensez à votre futur, rêvez, et donc le rêve se réalise pour vous prochainement. J'ai envie de voir pour vous la carte de conseil, comment vous devez vous comporter. Vous savez, vous devez faire un très bon choix. Je pense que c'est le choix qui va vous donner une direction dans la vie, qui va changer complètement votre vie. Vous devez le savoir et vous serez une femme amoureuse. Et ici, j'ai un indice pour vous. N'hésitez pas à montrer vos sentiments parce que je pense qu'avec cet homme, ce qui vous attend, c'est l'amour mutuel, c'est la création de la famille. Ça sera une surprise pour vous, peut-être quelque chose que, en ce moment, vous ne voyez pas. Vous pensez que ça ne peut pas se produire. Mais je vois que vous serez une femme amoureuse. Et c'est une femme qu'on aime également. Donc, n'hésitez pas à être féminine, romantique. Vous devez rêver absolument parce que nous avons vu que vous pouvez réaliser votre rêve. Eh bien, nous avons vu cette guidance. Vous serez surprise de votre futur. Eh bien, je vous souhaite beaucoup d'amour dans votre vie, bonheur et bien sûr, le destin vous appartient.